Donc je m'appelle Alexandre Publier, je suis créateur de la société Osée, qui est optimisation système équipement. Nous faisons de la fabrication de pièces en acier, inox, aluminium, bois et dérivés. Nous sommes intégrés en bureau d'études jusqu'à l'assemblage et fabrication, en passant par la découpe laser, le pliage et l'usinage. Nous sommes spécialisés sur la petite et moyenne série. Et à ce jour, nous sommes 14 collaborateurs et 2 co-welders. Le co-welder, c'est un robot collaboratif de soudure. Il a été conçu par la société danoise Megatronic et le bras droit robotisé par la société Universal. Il coopère dans le même espace que les opérateurs. Mon entreprise manquait cruellement de main-d'œuvre et notamment des soudeurs qualifiés. J'ai opté pour l'automatisation avec l'intégration de mon premier co-welder. Le co-welder est parfaitement adapté à la petite et moyenne série avec une facilité de programmation et de mise en route. Il ne faut que quelques heures pour l'intégrer au sein d'un niveau de fabrication. Ensuite, la programmation, quel que soit le type de pièce, on compte environ entre une demi-heure et une heure en fonction de la complexité de la pièce pour la programmer. Et n'importe quelle personne, sans avoir de notion de soudage, est capable de programmer et de souder ses premières pièces sur un co-welder. Le co-welder, il fonctionne en enregistrement de points, des points de déplacement rapide et des points de déplacement en soudure. À chaque point de travail, nous lui indiquons les caractéristiques de soudage, soit par des appels de programme sur la tablette, soit directement sur le générateur. Le co-welder, par son temps très court de mise en place et de mise en production, nous permet d'avoir une très grande efficacité. Le co-welder est capable d'avoir une répétabilité et une qualité de soudure nettement supérieure par rapport à un soudeur manuel. En termes de rentabilité, le co-welder est une solution beaucoup moins chère qu'un robot industriel classique. Nous, on peut faire une constatation au bout d'un an. Nous avons réduit environ 40% nos temps après soudage qui sont liés au dégratonnage ou à la finition polymiroir ou brossée par rapport à une soudure manuelle. C'est le premier robot de soudure avec le marquage CE. S'il détecte un obstacle, qu'il soit matériel ou humain, le robot s'arrête. Ceci permet de travailler en toute sécurité avec un opérateur à côté du robot. Le co-welder, aussi en termes de sécurité, permet d'améliorer les conditions de travail car l'opérateur n'est plus dans le circuit de fumée standard. L'intégration du co-welder m'a permis de prendre de nouveaux marchés et notamment avec des volumes beaucoup plus importants dans des délais beaucoup plus courts.